Les opportunités du marché des télécoms sont très grandes en Guinée parce qu'il y a encore beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes. D'abord du point de vue couverture téléphonique simple, les zones rurales ne sont pas encore couvertes. Et il y a tous les services à valeur ajoutée qui n'ont pas encore été pratiquement fournis ni par nous, ni pratiquement par les autres opérateurs. On n'a pas encore mis en place les e-banking, les e-éducation et beaucoup d'autres choses. L'Internet même n'est pas encore développé du fait qu'on n'a pas encore la large bande. Donc, c'est un marché qui a assez de potentialité, j'allais dire. Les défis, on en a beaucoup. D'abord, il y a la concurrence et il y a le fait qu'il faut très rapidement couvrir tout le pays et très rapidement fournir les services dont la population a besoin et assurer une bonne qualité de service, bien sûr. Bon, j'ai eu la chance de participer d'abord au congrès précédent et par rapport à ce congrès, il m'est arrivé quand même de suivre des thèmes qui m'intéressaient, qui sont assez importants, qui sont d'actualité. Donc j'ai pu vraiment bénéficier de l'expérience des autres opérateurs parce que dans ce genre de rencontres, évidemment, c'est l'échange entre opérateurs. Donc j'ai bénéficié de l'expérience des autres et j'ai pu aussi donner un peu de ce que moi aussi je sais.